Team TV, la chaîne au-delà de vos attentes. Quelques années de cela, le rap burkinabé était parmi les meilleurs en Afrique. Cependant, il a pris un coup. Pour paraphraser certains, il était à l'agonie. Mais la nouvelle génération n'a pas baissé les bras. Ils travaillent d'arrache-pied pour relever ce défi. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune qui s'est dit capable de redorer le blason du rap burkinabé. Lui, c'est le Rakanra Biga. Cher Timnote, merci de rester câblé pour suivre votre émission La Star à la Une avec Kaya Otto. Bonsoir Kaya Otto. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, chez toi? Je vais bien aussi. D'accord, on va commencer par ton nom d'artiste Kaya Otto. Pour ceux qui ne comprennent pas Mori, qu'est-ce que ça veut dire? Kaya Otto veut dire tout simplement, ici c'est comme ça. Ici c'est comme ça. D'accord, ok. Raconte-nous un peu comment le virus du rap t'a gnoc, pour ne pas dire piqué. Yeah, bon, je peux dire, depuis tout petit, j'écoutais la musique, j'écoutais le rappeur français, le rappeur burkinabé. Voilà, et c'est ça qui m'a beaucoup inspiré en fait. Voilà pourquoi je suis rappeur aujourd'hui. Je peux dire merci à nos devancés parce que c'est eux qui nous ont beaucoup inspiré en fait. Yeah. D'accord, pourquoi le rap spécifiquement? Bon, je suis rappeur parce que la plupart de la musique, des musiques que moi j'écoute, c'est des rappeurs en fait. J'ai choisi le rap parce que je me sens à l'aise dedans. Là-bas, je suis plus au calme en fait. Je peux passer mes messages comme je veux en fait. Voilà pourquoi je suis rappeur. D'accord, il a choisi le rap parce qu'il est à l'aise dedans. Parlons de Rakanra Biga. Plus de 200 000 vues en 10 jours. Un record dans la sphère musicale burkinabé. On en parle? Encore fois un bébé, c'est le pauvre water, c'est baba tara ligdi. iPhone Paul en dollar, puis ta cama papa tara ligdi. Routier en iPhone dollar, puis ta mzapa baba tara ligdi. Am tara quand banque t'aime tal yuma yemri baba tara ligdi. La con la biga, dit am sin date la con la biga. Abonne ma miura, bala mimi tim nugun tatam pole. Ligun dan kum tim zingue se dépense. Servom zampan yuan ti bien y avance. Yitim bolga yel ta papa wa jere. Mako bala mam la pata dun pange. Bawa ligu tim ti juz mu manore. Sandem net on de fond a mala bange. J'suis dans le fefe, mam ta la mobile le tarem zaka. Fuga yalu vito, kuruga yalu vito, million la zaka. De l'argent ne fait pas le bonheur, yalem para tenki ni nango. Faut pas ta ligue d'un wabo no gando, ligue de sobe n'en wabo n'emdo. Wakat fan ma m'kier op te hida toile, ligue d'un be waka ma wata wazonse. Matin midi soir m'kier da kondo, gola ma fanza da iPhone. Ma pa chui de jeton ya papa yela, ma m'ti jeton a pauvre da poche. Ma p'sana wa chifan ya selle ti posa wuki, di me argent de poche. Wakat fan be si le po water, si m'baba ta da ligue de. Je peux dire waouh, merci déjà à tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui continuent de partager déjà. Parce que c'est ensemble qu'on va arriver en fait. Voilà, s'il y a des gens qui nous suivent, qui nous soutiennent beaucoup en fait, on est fiers de ça. 200 000 vues en 10 jours en tout cas, c'est ça a félicité. Donc je l'ai dit merci en fait pour tout ce qu'il fait pour Kaya Otto et puis pour la musique burkinabé. Mao. D'accord. À qui dois-tu la réussite de ce clip? Bon, je peux dire tout le monde, hein, mes fans, mon staff et puis bon, tous les Burkinabés en fait et Africains en général. Parce que voilà, c'est ensemble, main dans la main en fait, qu'on va relever le défi. Ah, je voulais signaler quelque chose. Kaya Otto a nommé ses fans les Maolandais, c'est ça? Pourquoi les Maolandais? Ça veut dire quoi? Maolandais, c'est un mot que j'ai créé moi-même en fait. On dit toutes choses que tu dois faire, il faut être original. Si tu es original, tu es à l'aise dedans, tu ne te fatigues pas en fait. J'ai inventé un mot même pour... Moi-même, j'ai inventé un mot qui me plaît. Et puis j'ai décidé de baptiser mes fans des Maolandais en fait. C'est comme un pays. C'est comme un pays, genre le Burkina, le Bénin, voilà.
il y a les Burkinabés. Moi, bon, je suis au Burkina, mais mon pays, je l'ai créé en ligne, en fait. Donc, tous ceux qui soutiennent Kaya Wuto, voilà, qui sont abonnés à ma page, tous ceux qui écoutent mes sons sont des Maolandais. Et c'est comme ça que je les appelle Mao. D'accord, dans le pays, c'est le Mao, c'est ça. D'accord. Beaucoup de gens ont critiqué ton clip. Aujourd'hui, tu as l'occasion de leur dire un peu quel message tu veux transmettre à travers ce clip. Bon, le message que j'ai fait passer dans ce clip, déjà, je m'adresse au fils des riches, en fait. Bon, beaucoup n'ont pas compris, mais avec les émissions, beaucoup ont compris maintenant parce que je me suis mis à la place d'un boss, en fait, enfant des riches qui est en train de passer une message. Donc, le clip, j'ai fait ça comme un truc, un miroir. Le fils du boss, lorsqu'il regarde le clip, voilà, il se voit directement dedans, voilà, et puis il s'est dit, bon, est-ce que c'est cette vie-là que moi je vis? Bon, c'est ma manière de sensibiliser, quoi. Ils auront compris, en tout cas, à partir d'aujourd'hui. Tu as combien d'albums et de... Pour le moment, je suis sur mon premier album qui arrive bientôt. L'album n'est pas encore sorti. Voilà, à cause de Corona, bon, ça a fait qu'on a retardé beaucoup de choses. Mais on voit que, bon, Bilobil, ça finit. Le Corona est en train de finir. Donc, l'album va sortir dans 2 ou 3 mois comme ça. Le son Rakanrabiga, c'est un single qui annonce voilà, la sortie de l'album, en fait. On voit que tu adores le moré et la plupart du temps, tu chantes en moré. Est-ce une façon pour toi de valoriser la langue? Bien sûr. J'aime trop ma langue maternelle, en fait. Si vous avez remarqué, même bon, moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Au départ, je ne parlais pas beaucoup le moré, en fait. Parce qu'en Côte d'Ivoire, lorsque tu es né là-bas, pour parler le vrai moré, c'est compliqué. Donc, quand je suis venu au pays, voilà, j'ai commencé à écouter beaucoup la musique traditionnelle comme Zina Zarna, Bibou Sawadgo, voilà, comédiens comme Rahman Bassan pour mieux parler le vrai moré, en fait. Donc, je me sens à l'aise en moré. Je me sens à l'aise en moré. Voilà pourquoi je rappe en moré, en fait. Ah ouais, on voit. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui disent que le rap burkinabé de la nouvelle génération n'est pas à la hauteur? Bon, je peux dire, tous ceux qui disent ça, c'est peut-être des gens qui kiffent pas le rap. Hein. C'est des gens qui kiffent pas le rap. Voilà, celui qui aime le rap va pas dire ça. Parce que beaucoup, vous-même voyez, la nouvelle génération partout, c'est pas moi seulement. Il y a d'autres aussi qui bombardent partout. Donc ça a félicité quoi. Ça a félicité ceux qui disent que le rap burkinabé, la nouvelle génération, nanani, nanana. Donc c'est les gens qui sont pas fans du rap et puis c'est tout. C'est clair. Et entre nous, dites-nous, qui n'a pas dansé sur le son Rakanrabiga? Tout le monde a dansé en fait sur ce son. Donc c'est pas possible qu'on dise que le rap n'est pas arrivé. Non, nous on va danser, yeah, yeah. Ok, tu as une icône dans le milieu du rap burkinabé ou bien dans le monde entier? Bon, les chorés que j'écoutais déjà, vous voyez, les années 2000, il y avait les chorés qui bombardaient partout à gauche, à droite. Ils nous ont beaucoup inspirés en fait. Donc les chorés comme Smokey, Face au combat, c'est les artistes qui m'ont beaucoup inspiré. Je les écoutais beaucoup à l'époque. Bon, c'est grâce à eux aujourd'hui on est là. D'accord, donc ce sont eux tes exemples. Alors, nous, on connaît Kaya Wuto, le chanteur. Mais dis-nous, qui est Kaya Wuto à l'état civil? Bon, Kaya Wuto, c'est le cerveau 95 béton armé. Kaya Wuto, moi, au point, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a un Kaya Wuto à l'état civil, c'est Abdul Kabore. Kabore de Poutenga, il y a un petit peu. Tu as un contact si quelqu'un a besoin de toi pour une prestation? Voilà, pour une prestation aussi, voilà. Et sur ma page officielle, j'ai un contact là-bas, le contact du staff en fait. Si vous allez sur Facebook et écrivez Kaya Wuto officiel, le numéro est là. Pour tous ceux qui ne peuvent pas aller sur Facebook aussi, voilà, je peux les donner en direct. Le contact c'est 60 39 79 69. Voilà, c'est le numéro du staff comme ça. Appelez seulement Kaya Wuto et Kale Mao. Donc je profite aussi pour dire à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent de s'abonner sur mes pages officielles en fait. Sur YouTube, sur Instagram et Facebook. Facebook, il suffit de taper Kaya Wuto officiel et puis abonnez-vous. Voilà, sur YouTube aussi c'est très important. C'est très important, abonnez-vous, voilà, c'est ensemble on va arriver. Si vous vous abonnez pas, soit on n'a pas beaucoup d'abonnés, ça veut dire que bon, ton panga qui est un kawa ou quoi. Donc abonnez-vous, c'est Songra Wosko. Abonnez-vous aussi, c'est Team de Faso. Songra Wosko, Songra Tihirama Wosko, Yamenga Mimi, c'est abonné, c'est un béton armé Kaya Wuto, Maolan Family. Big up. Eh bien, on est arrivé au moment où tout le monde attend. C'est vrai, on écoute à la radio ou bien on regarde à la télé, Rakanrabiga.
Rakanda Biga. Mais ce soir, on a envie que tu nous fasses plaisir, que tu chantes pour nous, en freestyle, en direct dans les oreilles, quoi. Ah. Wakat fambe si le pogo atar simba batara ligdi. iPhone palam darum pita kama papa tara ligdi. Rutiela ni FM darum pita mzopam baba tara ligdi. Mtara kon banken tem tar yuma yemrem baba tara ligdi. Rakara biga. Rakara biga. Rakara biga mditam sendate rakara biga. Boton wa gige wa bona mam yura bala mimi tim nugun tatam pole ligi na kum tim zingen se depense servam sampan wa ti biera ya banse yitim bolga yelta papa wa jere mako boda mam la pata rampange ba wa ligi tim ti jus mou manore sande ne ton de fonda malo bange mau. Waouh, waouh, vraiment ça donne envie. Et moi je suis sûre qu'il y a toujours des gens qui ont envie de danser. Bon, je vais vous dire une chose. Allez-y sur YouTube et puis cliquez sur le son. Écoutez en boucle et dansez jusqu'à l'aube. Tu as un dernier mot? Bon, je ne peux pas finir l'émission sans parler le moré aussi. Voilà. Nous sommes mis à fond dans un endroit bar comme Miam. Tu oses repartager le clip à Rakanda Biga. Il partage à Wosko. Continue de partager son grand Wosko. Ton sang n'a pas beau tout ton acquis à ta on est ton musique un mega mime. Partage en bas la moindre en qui en YouTube tu gagnes un clip à la partage. On partage sa émission pas pour ce Miam fan barqué. Voilà les fans depuis les États-Unis, les diaspora américains aux fans en moi ne ouais n'amène Miam panga à Wosko. Ouais n'a ni barca. Par ni voilà diaspora Côte d'Ivoire et France et jinsa fan Afrique zanga. Maulan family ningenele ya fa zang barka wenda ning barka continue de partager on watana yiga ra kanra biga ya minga mimi maulan family mau. Comme il l'a dit, continuez de partager et continuez de danser sur ce son. Que Dieu vous bénisse et à plus tard.